Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier news de la chaîne. Ce dernier news de la chaîne qui est... Bon, bah, c'est pas vraiment le dernier, mais bon, en tout cas, c'est le dernier sur YouTube. Et donc, sur ce site de merde, quoi. Donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai à vous proposer, encore une fois, puisque je vous rappelle que c'est en prise de notes. Enfin, bon, bref, voilà. La première chose que je voudrais vous proposer, c'est que déjà, j'ai de la sueur, hein, voilà. Et que surtout, eh bien, c'est que oui, eh bien, on va désactiver mon compte YouTube. On va appuyer sur le bouton rouge, comme on le dit, le 1er juillet à 12h. Ce samedi 1er juillet à 12h. Voilà, bon, si vous connaissez pas les conditions de ce quittage de YouTube, excusez-moi, eh bien, je vous propose de revenir à la vidéo précédente, c'est tout simple. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous dire encore? Eh bien, c'est que oui, sur quelle plateforme vais-je migrer? Eh bien, c'est que je voudrais bien migrer sur DreamVid. Sauf qu'il n'est pas encore disponible, le site. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est que je vous propose de uploader mes vidéos sur... En tout cas sur Facebook, par un lien ou par vidéo intégrée, enfin bon bref. Si vous voulez continuer de me regarder, eh bien, allez sur Facebook. Même si je sais que tout le monde n'a pas de compte sur Facebook, mais bon voilà, avec les liens et tout, là, il y a tout le monde qui peut... Enfin, il y a tout le monde qui peut regarder une vidéo sur Facebook. Donc du coup, rejoignez-moi sur Facebook. Certes, c'est pas la plateforme la plus adaptée, mais bon, voilà. C'est quand même mieux que YouTube ou encore les petits gosses qui font des vidéos sur des pranks and spinners et je sais pas quoi. Donc rejoignez-moi, du moins sur Facebook. Après, vous verrez si c'est une vidéo intégrée ou si c'est un lien vers une autre plateforme genre Vimeo ou DreamVid et tout. Mais en tout cas, rejoignez-moi sur Facebook. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Rejoignez-moi sur Facebook à partir du septembre, de septembre 2017. Voilà. Après cette histoire de plateforme, eh bien, vous savez que certainement que si je désactive ma chaîne YouTube, eh bien, justement, vous pouvez pas voir mes anciennes vidéos. Et c'est pour ça que j'ai décidé de. Excusez-moi, là, je viens d'aborder un kebab, là, c'est pas possible. Eh bien, c'est que j'ai décidé que chaque personne qui voudrait voir une de mes anciennes vidéos que j'ai faites de 2014, enfin de. Oui, parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos de 2009, je regarde l'horloge, parce que bon, voilà, le temps, il faut pas que je le dépasse. Eh bien, c'est que si quelqu'un voudrait voir des vidéos que j'ai faites depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est que vous pouvez m'envoyer un mail. Un mail à arnoudon@gmail.com. Et là, eh bien, je peux vous envoyer la vidéo, tout simplement. Après, faut voir si j'ai le temps ou pas. Hein. Et aussi, ne marcelez pas pour avoir une vidéo, parce que bon, voilà... après là, si tout le monde me demande mes 300 vidéos que j'ai faites en 8 ans, là, ça va pas le faire quoi, voilà. Déjà les 300 vidéos ça tienne pas dans un mail, alors bon voilà. Ensuite, il faut que je cherche un mouchoir parce que bon, la sueur ça commence à me gaver. Hein. Ensuite, passons à la rubrique suivante où tous les gens du monde voudraient savoir combien de vidéos vais-je prévoir pour la saison suivante. Donc, je vous rappelle le topo pour la saison... 2015-2016, eh bien j'ai proposé un nombre exceptionnel de 100 vidéos. Ensuite, pour la saison 2016-2017, eh bien j'ai proposé un nombre moins exceptionnel, certes, de 40 de vidéos. Hein, parce que bon, voilà, la qualité, il faut aussi que ça fasse bling bling et tout. Et en plus, ça, j'ai pris du retard. Enfin, bon, bref, ne m'engueulez pas. Et pour la saison 2017-2018, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Un truc encore plus exceptionnel que la saison 2015-2016. Un nombre impressionnant de 11 vidéos. Voilà. Alors pourquoi ce nombre aussi impressionnant? Eh bien tout simplement parce que, bon, voilà, j'ai été traumatisé par YouTube, mais bon, ça c'est pas un gros problème. Mais c'est surtout que j'ai un autre gros projet, qui est dans les cartons et qui est en arrêt. Enfin en pause quoi. En fait ça avance pas. Mais bon, je sortirai quand même bien ça un jour, enfin un jour avant septembre-octobre, parce que bon, faut pas que ça me prenne longtemps non plus, parce que bon, voilà. Donc c'est pour ça, en tout cas, que je propose qu'un nombre plus sérieusement limité de vidéos à prévoir, enfin prévu quoi. Ensuite, eh bien, je vais vous parler de l'identité visuelle, encore une fois. Eh bien, c'est que j'ai proposé, je vais vous proposer... une toute nouvelle marque, ça veut dire que la marque Arnoudon va disparaître pour pour se transformer, parce que bon, Arnoudon ne disparaît pas vraiment,
mais pour se transformer en une nouvelle marque avec un nouveau nom. Donc cette nouvelle marque va me permettre de proposer beaucoup plus de choses, beaucoup plus de contenu divers et variés. Enfin, je peux pas vous en dire plus hein, sur cette nouvelle marque. Mais en tout cas, eh bien, c'est que sur l'identité visuelle, eh bien, l'identité visuelle ne va pas beaucoup changer. Juste un tout petit peu pour qu'il s'adapte bien sûr à cette nouvelle marque-là. Mais bon, voilà, ça va pas beaucoup changer, quoi. Et ensuite, dernières informations avant qu'on se quitte dessus, eh bien, c'est que, ça y est, j'ai reçu le nouveau câble. Voilà, ce nouveau câble de micro qui a été acheté à 1 milliard d'euros et qui est encore plus fin que celui que j'ai reçu avec mon micro, quoi. Et c'est pas possible, quoi. Enfin, la première chose de base, eh bien, c'est qu'il marche, quoi. Donc, du coup, eh bien, voilà, ça va me permettre de réutiliser normalement le micro que j'avais entreposé là-bas. Enfin, bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Donc, après la parenthèse, cette parenthèse sur mon micro, eh bien, je peux... conclure en vous disant bonnes vacances à tous et à l'année prochaine. L'année prochaine, enfin en septembre 2017. Et là, je ne parle même plus français tellement c'est n'importe quoi. Enfin bon bref, ce que vous savez, eh bien, c'est que rejoignez-moi tous en masse sur Facebook en septembre 2017, excuse-moi. Et on peut se dire yo tout le monde et à l'année prochaine. Voilà.